Bonjour chers internautes, vous êtes sur le site des 4 Fantastiques. Suite à votre avis des mondes, on a fait appel au savant Eli Malou pour parler de la pisciculture. La pisciculture de poisson, c'est l'élevage de poissons. Donc on a dit en RDC, il y a beaucoup de moyens pour faire cet élevage pour le développement intégral de notre pays. Donc à ma droite, je le savant Eli Malou. Oui, au centre d'intérêt, nous parlâmes de ce qu'on appelle avec l'ingénieur Lucien Bokité sur des résolutions imminentes d'extra-polarisation pour que le pays avance. Comment chasser la crise qui allait sévir la République démocratique? Qu'est-ce qu'il faut faire au premier plan? Les profils et perspectives, au prorata, le désirata au premier plan, c'est d'abord de recréer l'ordre. L'ordre dans le pays, l'ordre c'est la réglementation. Rester strict, austère, comment le Congolais pourrait, d'une manière ou d'une autre, avoir la vie sociale. Un coup d'œil sur ce qu'on appelle l'extranéité, c'est-à-dire la sortie du Congo vers d'autres pays. Nous avons notre pays qui nous entoure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord un œil sur la DGM. Direction générale des migrations. Vous ne pouvez pas sortir du pays sans être en conformité avec l'État congolais. Ça, c'est de un. De deux, entrer au pays, ça doit être sous contrôle et l'argent doit entrer dans la caisse de l'État sous l'angle d'impôts. Parce qu'il y a des impôts locatifs, mais le revenu doit être à tout prix calculé. Il y a deux gérades. C'est-à-dire le pays doit plus avoir d'encaissé que de sortie. Je parle des TGO, théorie générale des organisations, mais ici je fais mention au droit de la réglementation, l'autonomisation, l'orthodoxialisation, et je parle d'hypothèse sur comment combattre la crise en République démocratique. Comment, monsieur Eli Malou? Il faut appliquer les règles de l'OASEM, ça va Eli Malou, entrepreneuriat, ça ce sont mes règles que je vais penser, qui ne traitent que sur la République démocratique. Problème de Titi. Nous allons l'enterrer, ça c'est une solution déjà. Parce que quand vous avez 10 problèmes, commencez par résoudre 5. Dans 10, il vous reste 5. Pas les 5 là, vous allez les railler, 3, il reste 2. On appelle ça une méthode par substitution. Mais quand vous avez des méthodes par cramer, c'est-à-dire vous allez d'une manière ou d'une autre interjuxtaposer, interactionnaliser, ça va vous prendre du temps. Parce que le point nord, sud, ouest, est, N sur S, O sur E, ça va faire maintenant 1 sur 2, divisé par 3 sur 4, qui donnerait 1 sur 2, divisé par 3 sur 4, qui donne 1 sur 2, fois 4 sur 3, vous avez 4 sur 6, vous devez simplifier, 4 sur 6, 4 divisé par 2 sur 2 sur 3, vous allez trouver des 0,66, on peut arrondir à 0,66. Mon problème c'est quoi? Méthode par substitution, loi simple, principe d'Abou Ghazal. Le Congo doit avancer compte tenu de plus d'encaisser qu'une siding que outsiding. Le port, il y a Matadi qui est là. Nous avons le 9 pays qui nous entourent. Oui, là ce sont des régimes financiers. Absolète. Nous devons avoir à utiliser ce qu'on appelle dans les réseaux d'action, la FASEC, Faculté d'administration des affaires sciences et sciences, fait de Faculté économique et développement, Université catholique du Congo. Et vous direz que ça va, et dit Malou a raison. Parce que aucun sou, que ce soit autour des monuments, je parle de Louodolina, Douodolina, Triodolina, qui pourrait se surgir, se permettre. Louodolina, lorsque nous traitons avec un seul partenaire, continentalisé. Nous ne pouvons pas rester traités avec seulement l'Asie. On peut traiter avec les Européens, on peut traiter avec les Américains, on peut traiter avec les gens de l'Océanie, les 5 continents obsolètes à ça. Parce que vous ne pouvez pas marcher d'un pas, vous allez dépassiser vos pas. Dis-moi le chute. L'antioscotacie financière existe. Lorsque vous allez titubasser le régime financier, et la population passerait un temps dans la populace des caquettes. En tant que savant, d'ailleurs je tiens à piloter des tables rondes économiques moi-même au stade. De 6h à minuit. C'est-à-dire que vous devez savoir que mettre fin à la crise actuelle, il faut utiliser la méthode par substitution. Si nous avons eu 10 problèmes, commençons, que je vais vous dire que j'allasse même permettre
vous montrer mes plans d'action dans l'apologétisme, 15 000 pages de Tombélo. Merci beaucoup, monsieur Dimalou. Oui, bienvenue à tous. Fatih à tous, caritas de la politique. Longa dura sao. Serva ordo, ordine, serva di. Ah là là. Ha!